Quand je te regarde, je ne te vois pas tel que tu es immédiatement. Pourquoi? Parce que la lumière de ton image, elle est venue jusqu'à moi. Elle a mis très peu de temps, 1/1 millième de seconde. Donc, je te vois tel que tu étais il y a 1/1 millième de seconde. Donc, tout ce que l'on voit, simplement parce que pour voir, il faut que la lumière nous atteigne et que la lumière met du temps à nous atteindre, nous connaissons sa vitesse, 300 000 km par seconde, nécessairement, on ne peut pas voir l'instantané. On ne peut voir que des choses qui sont dans un passé, peut-être très proche. Il y a 1/1 millième de seconde, tu n'étais sans doute pas très différente de ce que tu es maintenant. Mais si on regarde des objets plus lointains, par exemple, quand on regarde le soleil, eh bien, ça met 8 minutes à la lumière pour venir du soleil. De sorte que quand le soleil disparaît à l'horizon, quand on voit son dernier croissant, eh bien, il est déjà couché depuis 8 minutes. Et quand on regarde la lune, on la voit telle qu'elle était il y a 1 seconde. Ça met 1 seconde pour venir de la lune. Mais quand on regarde la galaxie d'Andromède, bien visible à l'œil nu, près de Cassiopée en été, c'est 2,5 millions d'années. On la voit telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Et puis les galaxies les plus lointaines, c'est des milliards d'années. Certaines sont à 10 milliards d'années-lumière. Alors, on peut dire, oui, mais est-ce qu'elles existent encore? Eh bien, on n'en sait rien.